Et coucou, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est toujours à l'hôtel. Réveil assez difficile, surtout pour Eric. Il a très très mal dans un œil, des aiguilles, ça le brûle. Franchement, ça m'inquiète. Il n'a pas dormi de la nuit. Moi, j'ai pas vraiment dormi non plus trop. En plus, mes extensions, ça me tirait. Mais ça, c'est normal, c'est les deux premières nuits. Donc j'attends, j'ai regardé sur internet, la première pharmacie ouvre à 9h, là il est quoi, 8h. Donc on se fait livrer le petit-déj et après je file chercher vite quelque chose pour le soulager. Je rentre, je laisse se reposer, moi je refile, parce qu'il faut que j'achète Sephora, ils se sont plantés hier. Ils m'ont compté deux eyeliners, donc ils me les ont mis mais j'en ai besoin que d'un. Donc je vais me faire rembourser, ça coûte quand même 17€. Et puis voir deux, trois petites choses, il y aura peut-être moins de monde. Comme pendant ce temps-là, bah, Eric va se reposer. Je le laisserai se reposer dans la chambre. Voilà, bon, sinon on a passé une très bonne soirée. C'était excellent, mais bon. Réveil difficile. Vous savez comme j'aime les levers et couchers de soleil. Ça, c'est de la salle de bain, la vue. Oh là là, regardez. Une petite terrasse privée. Mais c'est surtout ça que je vais vous montrer. Oh, le lever de soleil, c'est magnifique. Là, avec la cathédrale, wow, les couleurs. Je vous ai pas montré les deux petits peignoirs, je les ai même pas utilisés, tiens. J'ai pas l'habitude d'avoir des peignoirs dans l'hôtel, c'est peut-être pour ça. Est-ce que tu veux un jus d'orange, tu m'as dit? Non, pas de jus d'orange. Une question, je pense que non. À tout hasard, est-ce que vous faites le jus de carotte? Pas du tout, voilà, c'est pas grave. Non, j'y ai pas pensé. Non, tu veux quelque chose de salé? Moi aussi. Non, ça va aller. Oh, il est sympa, oui, il y a vraiment de tout, hein. Viennoiserie, fruits, jus d'orange et café. T'as vu, il y avait. Ouais. Allongé, c'est le meilleur. Oui. Bon, bah, on va déjeuner, puis après, direction pharmacie. C'était bien, bon. Eric, il me dit c'est pas la peine de remonter, parce que fais tes trucs et tu me donneras après. Mais moi, j'ai envie d'aller à la pharmacie, puis le soigner tout de suite et de repartir, quoi. Déjà, faut que je trouve la pharmacie. J'ai mis le petit GPS. J'ai des petites cernes un peu, là, non? Je vous montre un truc, franchement, faut pas avoir le vertige. Waouh. Ok, je ne vois pas de pharmacie à droite. Et là, si, il y en a une là-bas, ça clignote. Go, go, go. Voyez, c'est pas encore ouvert. Ok, là, ça ouvre les boutiques, c'est drôle. J'adore cette ambiance. Bon, alors, elle m'a dit, quand il y a douleur comme ça ophtalmique, faut traiter en urgence parce que... Bah parce que voilà, c'est l'œil, donc elle m'a donné un collyre quand même pour le soulager, mais elle m'a dit vaut mieux appeler SOS médecin, il va jamais, jamais vouloir. Ça c'est évident quoi, évident. Mais bon... Non, pas non. Photo, hein. Non, c'est pas ça, moi ça finit dans la loi. Vous inquiétez pas. Oui, oui, voilà, il y a des lois en France. Oh, on raffine tout le monde comme ça, hein. Alors... Et donc, voilà, tu vois quoi. Bon, je suis passée dans la chambre, je lui ai mis son collier, tout ça, et bien évidemment, il veut pas que j'appelle les médecins, qu'on y aille. Franchement, ça m'agace. Je vais à Sephora, tout ça, j'espère qu'il va pas encore me prendre la tête, le monsieur. Il pensait que je filmais le monsieur dans la rue, mais voilà, il devenait un petit peu agressif après. Franchement, vous savez quoi? Je l'entends crier d'ici. Vas-y, il me fait flipper, lui. Je vais me mettre la barre comme ça. Nickel. Ils vont me rembourser ou me faire un avoir. On est sur le chemin du retour. Il est quoi, 11h30. Ouais. On a préféré, puis même avec le petit Eric, hein, qui a mal à son œil. Comme ça, on va être plutôt à la maison. Ça va me permettre de bosser. Et on va voir Jackie, va être content aussi. Ça va mieux? On est à une vingtaine de kilomètres de la maison et comme on devait manger là-bas, on a repéré c'est quoi un snack pâtisserie boulangerie. Eric m'a dit va chercher des sandwichs. Je fais, tu veux quoi? Il me dit si tu m'aimes, tu sauras. Bonjour. Alors je regarde, je vais vous prendre. Donc en chaud, ce sont ah mais il y a un peu de tout. C'est chouette. Chèvre miel, c'est quoi en fait? C'est la. C'est comme une pâte, c'est de la pâte à pizza, en fait, une pâte à pain. D'accord, celle-ci c'est. Ça c'est chèvre pesto. Je vais en prendre une comme ça. Comme ça. S'il vous plaît. Mm-hmm. Steak haché,
Ah bah je crois que j'ai trouvé. Celui-ci, donc steak haché oignon frit cheddar. Et voilà arrivé. Je fais attention parce que c'est un beau petit gâteau au chocolat pour deux, histoire de clôturer ce petit séjour. Et là, on va retrouver qui ? Baby Jack. J'avoue qu'on est un petit peu chargé à cause de moi, là, quand même. Hein. Je crois que je vous montrerai sous forme de haul, peut-être. Je verrai. On est revenu. Oui. Oh, bon alors. Oui, on va tout ouvrir. Ça, c'est tout ce que j'ai ramené. Du petit-déj qu'on n'a pas pris ce matin. En même temps, 32 euros le petit-déj, comme... enfin, 32 les deux, quoi, 16 petit-déj. On a tout ramené. Oui, oh, tu viens de manger, mamie t'a donné, enfin. Là, tu veux m'arnaquer, Jackie. Et ça, c'est le gâteau que j'ai pris. On va se le partager à deux. J'ai l'impression qu'il y a du croquant. J'aime bien quand c'est fondant et croquant. Donc là, c'est l'écart et après, on arrête. Vous savez quoi ? La première chose que j'ai faite, oh non, j'ai mangé en rentrant. Je suis montée dans mon bureau pour vous faire le montage du vlog. Ça m'a pris 2 grosses heures. Je suis claquée déjà qu'on a très très mal dormi cette nuit. Donc voilà, j'annonce, ce vlog risque d'être vraiment très court. Toutes mes trouvailles, mes achats, que ce soit fringues, make-up, accessoires, je pense que je vous montrerai tout ça. Dans un hall spécifique avec les différentes marques, ouais, ça va être beaucoup plus sympa. Par contre, ça va pas du tout, ça, non, mais sans rire. C'est quoi ces habitudes ? On s'en va et tu prends des habitudes comme ça ? Vous savez, la rose. Oh là, super. La rose, en fait, que j'ai ramenée qui sèche, je l'ai surpris en train d'essayer de la manger et je l'ai mise là pour la cacher. Ça se trouve, c'est ça. Je sais pas comment elle va. Elle va sécher. Je vous dis, ça se trouve, c'est ça. Je vais la mettre ailleurs. Et oui, et concernant Eric, bah là, il est allongé, en fait. Il se repose. Le collier lui a vraiment fait du bien. Son œil est encore rouge. Par contre, je l'ai prévenu. Si lundi, il n'y a pas d'amélioration, j'appelle le docteur. T'es content ? T'as retrouvé ta maman ? Oh, ça devait être dur ce matin. Hein ? Tu veux te dire, mais elle est où, maman ? Ben oui. Je me suis posée là dans le canapé de mon bureau, je suis avec Jack, je suis mais claquée, je suis bonne à rien clairement. J'attends ma fille, il est bientôt 20h, elle ne doit pas tarder, on va grignoter toutes les deux. Et après je ne vais pas faire biozo, je voulais regarder le meilleur pâtissier que j'ai pas regardé mercredi, mais je ne vais pas apprécier, je suis trop naze. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je sais, il est que 20h, mais je vois pas l'intérêt. Après, je vous dis, je vais rien faire de spécial à part aller me coucher. J'espère vraiment que ces petits jours à Tours vous auront plu. Enfin, ça change, j'aime bien un petit vlog comme ça de voyage. C'est cool. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Alors demain, ça sera très certainement pour un haul de mes trouvailles. Vous allez voir, vraiment, c'est que des coups de cœur, aussi bien make-up, des pépites, vous allez voir ça, que des petites fringues, des accessoires. J'adore. Allez, bisous et à demain. Salut.